On voit pas beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue dans l'art d'en parler avec nos invités. Nous allons vous donner quelques idées de sorties. Et on ira dans tous les sens. Bienvenue dans l'art d'en parler. Jean-Marc Ernest, vous êtes le chanteur du groupe, bonsoir, du groupe de, on va dire, heavy metal. Je ne sais pas si c'est la bonne appellation. Metal tout court. Metal tout court, soyons simples, d'Imagiria. Et vous serez à l'ancienne Belgique en première partie de Playmo le 15 mars, deux jours avant. Alors, merci beaucoup. Jean-Marc Ernest, est-ce que c'est le même plaisir pour vous, la scène? Ah, carrément, oui. Carrément, surtout pour un groupe de metal, hein, je pense. Oui, c'est vraiment la scène. Parce que le studio, c'est quand même un peu étroit, non, je pense? Ça dépend lesquels, mais c'est vrai qu'il y a des studios qui sont très étroits. Alors, vous, votre particularité, vous êtes quatre. Oui. Vous êtes des Liégeois. Oui. Vous faites du métal, mais en français. Voilà. Ça, c'est pas habituel en Belgique. En France, ça se fait beaucoup, mais en Belgique, ça se fait beaucoup moins. Vous produisez un peu partout en Belgique. Est-ce que vous arrivez à sortir des frontières liégeoises? On ressort des frontières liégeoises, oui, heureusement. Mm-hmm. Moi, je vous propose peut-être d'écouter un petit extrait de, justement de votre patte, de votre style. C'est parti. Alors on peut le dire, hein, ça déménage. C'était au Durbuy Rock Festival en mai de l'année dernière. Ouais. Votre public, ce sont des jeunes, des adolescents, des adultes. Dites-moi un peu qui. C'est quand même plus cible adolescent, on va dire. Oui. Ah oui. Moi, il y a une question que je me pose. Quand on est dans la veine métal et que ça va très fort comme ça, quand j'écoute Marie Warnant, je comprends tout. Oui. Mais là, est-ce que la musique parfois ne prend pas le pas sur les paroles? Je ne sais pas si C'est vrai que parfois elle prend le pas sur les paroles, bien que les gens qui écoutent cette musique d'habitude savent, on y écoute différent, donc ils les comprennent malgré tout. Quoi. Mm-hmm. Il faut habituer son oreille peut-être et un suivre. Peu, oui. Mais vous avez des choses à dire, il n'y a pas que la musique qui parle pour vous. Oui. Ouais. Vous êtes plutôt timide, hein. Je pense que vous devez bien vous exprimer sur scène et c'est être ça. Plutôt réservé dans la vie tous les jours. Hein. C'est exactement ça. Ça, c'est votre dernier ou votre premier album? Premier album, oui. Premier album, on va le montrer rapidement, on le montrera tout à l'heure. Est-ce que justement, vous comptez en sortir d'autres? Est-ce que vous comptez en produire? On est en train de travailler, on a une vingtaine de compositions pour le prochain. Mm-hmm. On a déjà fait quelques maquettes et il sera dans la veine de celui-ci, mais peut-être un peu plus rock. On peut dire que le métal a de l'avenir, c'est vraiment un style musical qui continuera, qui perdurera. C'est un style qui existe depuis quand même pas mal d'années, qui reste quand même underground, mais il continue à perdurer, je pense. Oui. Mm-hmm. Et justement, la vague plutôt grunge des années 90, vous venez de là en fait. Hein. Ouais. Mm-hmm. Oui, le guitariste et moi surtout, on vient vraiment du grunge. Ouais. Des groupes comme Metallica, Pearl Jam et compagnie. Ouais, plus Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden. Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des demoiselles qui adhèrent aussi à ce genre de musique? Oui. Énormément. Oui, énormément. Ah oui, il y a autant de filles que de garçons dans le public. Oui. Mm-hmm. Mais les chanteurs et les musiciens sur scène ont une bonne présence et à mon avis, ça attire un public féminin. Et justement, cette mode, moi, j'en vois dans les concerts. Cette mode des gothiques, la gothique attitude, est-ce que justement ces jeunes vous écoutent? Ça se mélange parfois, mais non. Ça dépend des générations. En fait, quand ils sont. Les ados, vraiment, ils vont à tout, quoi. Que ce soit un concert d'été 67 ou un concert gothique, je pense que parfois ça peut être... Merci beaucoup. De rien. Jean-Marc Ernest, vous êtes le chanteur du groupe Des Magiria, un groupe de métal liégeois qui chante en français, ce qui n'est pas anodin. Et vous étiez ici aussi pour nous présenter, on l'a peut-être pas montré, mais votre premier album, On a marché sur la terre. Voilà, c'est très poétique. Et puis, ils seront à l'ancienne Belgique et puis, aussi. Moi, je trouve ça bien pour un groupe liégeois. J'avais pas fini. Le 15 mars à l'ancienne Belgique en première partie du groupe Playmo. Et si on veut en savoir plus sur votre site très, très, très coloré, www.desmagiria.com. Voilà. Merci. Merci, à très bientôt. Merci.